Bonsoir à tous, la façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de factions et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de slave to Darkness en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Leurs unités sont spécialisées et très bonnes dans leurs domaines respectifs, vous avez suffisamment de choix pour s'adapter à votre style de jeu et faire une bande avec laquelle vous serez vraiment à l'aise et ils disposent de certains leaders faisant des dégâts bien supérieurs à la moyenne du jeu pour leur coût. En contrepartie, faire sa liste peut être difficile car il va falloir trouver le bon équilibre et faire vos choix parmi des unités qui semblent assez similaires. De plus, bien que leurs aptitudes soient assez synergiques, il peut être difficile de savoir lesquelles utiliser selon le moment de la partie. A présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 55 à 60 points, nous avons les Maraudeurs. Ce sont de bonnes unités sacrifiables, assez résistantes pour leur prix. Nous en avons deux versions, celle avec Bouclier qui gagne une aptitude sur un double qui lui permet de pouvoir infliger quelques dégâts quand elle arrive au corps à corps et qui gagne en endurance, et la version avec Fléau qui gagne en attaque ainsi qu'un très confortable 3 de portée. Cette version dispose d'un potentiel de dégâts élevé pour son prix en faisant une unité de choix si vous voulez jouer le nombre. Pour 145 à 170 points, nous avons les Chaos Warriors. Les versions avec paire d'armes de base et avec grande lame font de bons dégâts, mais restent tout de même relativement fragiles pour leur prix malgré leur endurance et leurs 15 points de vie. Il faudra donc faire attention à ne pas trop les exposer. Nous en avons également deux versions avec bouclier qui gagnent la même aptitude que les maraudeurs. Malgré leur endurance qui passe à 6, leurs dégâts sont vraiment trop faibles et leur résistance n'est pas assez élevée pour leur prix pour en faire une unité vraiment intéressante. Pour 180 points, nous avons le Chaos Chosen. Il dispose d'une aptitude sur un quad qui ne peut être utilisé qu'après avoir éliminé une figurine adverse et qui augmente la caractéristique d'attaque de toutes les figurines amies à 6 pouces. C'est une compétence très intéressante, d'autant plus que les Chosen font d'excellents dégâts avec une moyenne de 7 blessures par activation. Ils restent cependant assez fragiles pour leur prix et il faudra là encore faire attention à ne pas trop les exposer. Pour 120 à 140 points, nous avons les maraudeurs horsemen. Ils disposent de la rune de cavalerie ainsi que de l'aptitude de charge sur un triple qui leur permet de faire des dégâts en arrivant au corps à corps. Cette aptitude est toujours utile car elle peut vous assurer d'achever un adversaire. Leurs dégâts sont plutôt faibles mais ils sont très résistants pour leur prix en faisant un choix parfait pour s'occuper des objectifs. Nous en avons trois versions. Celle avec Fléau qui gagne en portée et qui est celle qui fait le plus de dégâts des trois. Celle avec H et bouclier qui est la plus résistante pour son prix. Et finalement, celle avec Javelin qui gagne une aptitude sur un double pouvant infliger quelques dégâts à 6 pouces. Finalement, pour 220 points, nous avons les Chaos Knights. Ils disposent de la même aptitude que le Marauder Horseman et gagnent un peu en dégâts et en résistance mais valent quasiment le double en points ce qui, à mon avis, les rend moins intéressants que ces derniers. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders slave to Darkness ont une aptitude sur un triple qui ne peut être utilisé qu'après avoir tué une figurine adverse et qui permet de faire une action de mouvement bonus suivie d'une action d'attaque bonus. Dans les leaders classiques, nous avons l'Exalted Champion, le Aspiring Champion, le Doom Knight, le Marauder Chieftain et le Horsemaster. L'Exalted Champion est un choix particulièrement intéressant avec des dégâts largement supérieurs à la moyenne du jeu pour son prix. Infligeant en moyenne plus d'une dizaine de blessures par activation, rendant l'utilisation de la compétence de leader particulièrement aisée. Le Marauder Chieftain est également un très bon choix en termes de dégâts purs, mais avec seulement 20 points de vie, il reste un choix plutôt risqué. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Darkos Chieftain, qui dispose d'une aptitude sur un quad qui permet d'augmenter la valeur des dégâts et dégâts critiques de la prochaine action d'attaque. Cette aptitude peut infliger d'énormes dégâts, transformant le Darkos Chieftain en un véritable tueur d'élite. La Dark War Queen, le Chaos Lord et le Exalted Hero of Chaos, qui disposent d'une aptitude sur un triple, qui permet d'augmenter de 1 la caractéristique d'attaque au corps à corps de toutes les figurines amies à 3 pouces jusqu'à la fin du tour. Bien qu'ayant une portée limitée, ça n'en demeure pas moins une très bonne aptitude. De plus, le Chaos Lord partage le même profil d'armes que l'Exalted Champion en faisant mon choix par défaut pour mes bandes. Le Chaos Sorcerer Lord Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet d'ajouter 1 à la caractéristique de force et d'attaque au au corps à corps pour la prochaine attaque d'une figurine amie à 8 pouces. Cette aptitude peut être particulièrement intéressante si vous jouez une bande plutôt orientée élite, notamment avec des chaos chosen, ce qui devrait leur permettre d'utiliser leur aptitude plus facilement. Le chaos lord sur Carcadrac est celui sur Daemonic Mount. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter 2 à la caractéristique de mouvement des figurines avec la rune de cavalerie à 6 pouces. Ce sont des choix particulièrement résistants, leur aptitude reste cependant d'un intérêt limité. Aux figurines de cavalerie disposant déjà d'un mouvement de 10, les deux pouces de mouvement supplémentaires ne seront utiles que de façon très circonstancielle. Et finalement, le Varanguard. Il dispose d'une aptitude sur un double qui lui permet d'augmenter sa caractéristique d'attaque au corps à corps pour la prochaine action d'attaque. Cette aptitude en fait un choix intéressant si vous souhaitez avoir un leader plus mobile et capable de faire des dégâts. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Slave To Darkness Ils ont accès à deux nouveaux Chaos Warriors, ainsi qu'à de la cavalerie lourde avec les Chaos Knights, ils ont également gagné de nombreux nouveaux leaders. Bien que certains d'entre eux étaient déjà présents dans Monstres et Compagnie, leur profil a été modifié. Le Darkos Chieftain coûte 5 points de plus et perd en attaque et en force. La Darkos War Queen perd en attaque, en force et en dégâts critiques et son aptitude augmente à présent l'attaque au lieu du mouvement. Le Chaos Sorcerer Lord perd en force au corps à corps ainsi qu'en endurance et en points de vie. Et le Chaos Lord gagne des attaques, de l'endurance et des points de vie, mais voit son coût augmenter de 65 points. Comme allié intéressant, nous avons le Blood Sécrator. Il dispose d'une aptitude sur un quad qui augmente de 1 la caractéristique d'attaque de toutes les figurines amies à 16 pouces, ce qui peut être particulièrement intéressant si vous jouez le nombre. Autre allié intéressant, le Mind Stealer Sphinx. Il peut remplir pas mal de rôles dans votre bande car il est rapide, résistant, fait de bons dégâts et ses compétences vous permettent d'avoir un peu de contrôle sur la bande adverse, ce qui peut grandement faciliter vos propres plans. Au final, est-ce que les Slaves to Darkness est une bande pour vous c'est une très bonne bande car elle dispose de tous les outils nécessaires. Peu importe votre style de jeu, vous pourrez faire une bande Slave to Darkness répondant à vos attentes. Cependant, vos troupes restent très spécialisées et il faudra réussir à trouver le bon équilibre pour en tirer pleinement profit. Voici quelques exemples de listes pour vos Slave to Darkness la bande Berserker, un Exalted Hero of Chaos, un Blue Secretor et 10 Chaos Marauders avec Fléau de Barbare. Nous sommes ici sur une bande qui de par son nombre est capable d'infliger d'énormes dégâts. Le Blood Secretor fait des merveilles dans cette bande, vous permettant de noyer votre adversaire sous les attaques. De plus, la portée de 3 de vos armes vous offre une certaine survie, les rendant plutôt faciles à jouer pour une bande de ce type. La bande Frappe éclair. Un Varangard, 4 Chaos Marauder Horseman avec Fléau de Barbare et un Deathmaster. Vitesse et résistance sont les maîtres mots de cette bande. Ce qui la rend particulièrement efficace dans les missions à objectifs. Le Varanguard est capable d'éliminer les menaces et le Deathmaster de se rendre sur les bâtiments, ce que le reste de votre bande ne peut pas faire. La bande Old School. Un Exalted Champion, un Chaos Warrior avec paire d'armes de base du Chaos, un Chaos Chosen, trois Chaos Marauders avec Fléau de Barbare et deux Chaos Marauders Horseman avec hache et bouclier. Si vous ne souhaitez pas utiliser les nouvelles figurines, cette bande reste encore, à mon avis, une des meilleures listes pour les slef to Darkness. Si vous voulez jouer une version plus moderne, il suffit de remplacer le leader par un Chaos Lord et vous obtiendrez alors une excellente bande de tournoi. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout de suite!